Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio consacré à la phytothérapie, à la micronutrition, et média que vous écoutez également sur Nutri Radio, première radio française dédiée à la nutraceutique. Alors nous rencontrons pour vous tous les acteurs de la santé naturelle pour plus de transparence et surtout pour une meilleure compréhension de ce que vous consommez. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la santé de la femme et en particulier au microbiote urogénital. Et pour en parler, nous sommes avec Virginie Barieux, directrice relations médicales et conception du laboratoire Nuterja, et Karine Tournier, sa responsable marketing. Bonjour mesdames. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale consacrée au microbiote urogénital. Il y a beaucoup de choses à dire. Quelques mots sur le laboratoire Nuterja, un fabricant français de compléments alimentaires. 30 ans d'expérience, ce sont des produits conçus et fabriqués en Aveyron, donc en France depuis 1989, c'est ça hein, Karine? Oui, tout à fait. Donc, laboratoire Nuterja qui fabrique et qui distribue des compléments alimentaires donc depuis plus de 30 ans maintenant. Voilà, on sait que les compléments alimentaires sont également beaucoup vendus en pharmacie. Les consommateurs les trouvent essentiellement en pharmacie et c'est notre circuit de distribution privilégié également. Une entreprise voilà, familiale créée par Claude Lagarde, docteur en pharmacie et biologiste. Alors, on va aborder directement le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quelques mots le fonctionnement du microbiote urogénital? Alors oui, bien sûr. En fait, on a tous entendu parler du microbiote intestinal. Eh bien, il faut savoir que au niveau de la muqueuse vaginale, comme dans l'intestin, en fait, il y a des millions ou des milliards de bactéries qui sont présentes. Puisque si on regarde dans un millilitre de sécrétion vaginale, on va pouvoir dénombrer 100 millions de bactéries. Ce qui fait qu'il y en a autant finalement de bactéries que dans un microbiote buccal, mais quand même bien moins que dans le microbiote intestinal. C'est pour ça que quelque part, on s'y est intéressé un petit peu plus tard. Il y en a 1000 fois moins que dans un microbiote intestinal. Quant à l'appareil urinaire, on a longtemps cru qu'en fait c'était un milieu stérile et on s'est aperçu plus récemment qu'il était peuplé également d'un microbiote qui est comparable au microbiote vaginal. Donc l'ensemble de ces deux microbiotes, vaginal et urinaire, constitue ce qu'on appelle un microbiote urogénital. Alors ce qui est important de savoir, c'est qu'il a un rôle protecteur fondamental lorsqu'il est équilibré, c'est-à-dire à la fois riche et diversifié, avec une grande richesse, notamment en lactobacilles, qui est la flore dominante. Ainsi, donc, on peut dire qu'une flore saine est un facteur clé de santé, urogénitale en particulier, et que ça va favoriser à la fois un confort intime et urinaire. On va pouvoir, avec un microbiote urogénital sain, éviter tout ce qui est désagrément, que ce soit irritation, sécrétion anormale, perte, odeur. Et également, on va voir plus tard que ça intervient par rapport à la fertilité ou par rapport, il y a des études également qui montrent un impact sur la prématurité dans certains cas. Bien, est-ce que ce microbiote, il évolue au cours de la vie des femmes? Eh bien, effectivement, c'est vraiment très particulier à ce microbiote qui va varier en fonction de l'âge et de la période de la vie d'une femme, comme d'ailleurs au niveau vaginal, comme au niveau urinaire. Et puisque ce microbiote urogénital est placé finalement sous l'influence des hormones, en particulier des œstrogènes. Or, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la vie d'une femme, on va constater que ce microbiote urogénital s'installe au moment de la puberté. Et à partir de cet âge-là, la muqueuse vaginale va s'épaissir. Elle était très fine au départ, elle va s'épaissir. Le pH va s'acidifier et les lactobacilles vont se développer fortement. Donc, le microbiote va se développer. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, il y aura une protection plus importante. Donc là, on en déduit aussi certaines choses, on verra plus tard. À l'âge adulte, on aura une muqueuse qui se sera épaissie, un pH très acide et également cette flore très riche en lactobacilles qui sera importante. Ce qui est important de savoir, et certaines femmes l'ont constaté, c'est qu'au cours du cycle, par contre, le pH varie. Et par exemple, il baisse et donc il y a un pH, un effet moins protecteur au moment des cycles menstruels, par exemple, au moment des règles, hein, d'où une fragilité chez la femme à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la ménopause? Mais là, la muqueuse de nouveau s'affine. On a une perte de la diversité du microbiote, une perte de l'acidité, et ceci va pouvoir contribuer à plus de fragilité et une sécheresse intime, notamment. Donc après, au niveau de la grossesse, c'est un petit cas particulier également. Il y a une flore saine qui est fondamentale à conserver pour éviter les désagréments et en même temps, on verra plus tard, pour que la flore du bébé à venir soit également préparée.
Alors, quel est le rôle exact de ce microbiote? Voilà, on va développer son rôle. C'est un rôle avant tout protecteur. Alors, protecteur comment? C'est que ce microbiote va jouer un effet barrière, une protection contre l'attaque de bactéries d'origine diverse et également de candidats. Donc, on va limiter le développement de mycoses ou d'infections virales. Alors, comment un microbiote sain va pouvoir agir? Mais déjà, en créant un effet barrière, puisque avec un microbiote sain, il va y avoir création d'un biofilm protecteur qui va empêcher le développement des bactéries. C'est comme un bouclier, finalement, et ça va empêcher donc à la fois l'adhésion et la multiplication de bactéries pathogènes. Également, les lactobacilles bénéfiques vont pouvoir produire des substances antimicrobiennes, stimuler les défenses naturelles de l'organisme en renforçant l'immunité locale. Et également, ce qui est très important, c'est que les lactobacilles vont permettre la production d'acide lactique à partir du glycogène qu'on retrouve dans la muqueuse. Et cet acide lactique va permettre de diminuer le pH et donc de créer un milieu qui n'est pas favorable au développement de bactéries pathogènes. Et donc, on a un cercle vicieux qui se crée puisque les lactobacilles vont se développer en milieu acide. Donc, ils produisent l'acide lactique qui acidifie et en même temps, ils se développent dans un milieu acide et bloquent le développement des pathogènes. La boucle est bouclée de façon positive. Ce qu'il faut quand même retenir et être vigilant, c'est que cet équilibre, en fait, est fragile et peut être perturbé lorsque dans diverses situations. On parle alors de dysbiose lorsque le microbiote urogénital n'est plus équilibré. Et lorsqu'il y a une dysbiose, ben, c'est la porte ouverte au développement de différents pathogènes. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est quels sont les facteurs qui vont pouvoir perturber ce microbiote urogénital, parce que d'un point de vue pratique, ce sera des périodes où il faudra être particulièrement attentif à notre hygiène de vie et voir prendre se supplémenter, en fait, faire un apport supplémentaire en lactobacilles pour rééquilibrer un microbiote. Alors, on a tous en tête, en fait, que les perturbateurs de microbiote, ce sont les antibiotiques, mais aussi les antifongiques, les spermicides. J'ai exercé également en officine, et par exemple, fréquemment, il y avait des personnes qui disaient, dès que je prends un antibiotique, en fait, j'ai une problématique avec des sécrétions grumeleuses, etc., des problématiques génitales. Donc, c'est que, en fait, l'antibiotique avait perturbé cet équilibre du microbiote urogénital. Il y a des facteurs hormonaux avec les cycles, la ménopause qui font qu'il y a des variations aussi, la pilule, les rapports sexuels aussi interviennent dans les perturbations des microbiotes, le stress, les douches vaginales qui sont à proscrire. C'était des anciennes pratiques, mais heureusement, là, c'est plus du tout recommandé. Virginie Barieux, directrice relations médicales et conception du laboratoire Nutergia, merci, on va faire une pause et on se retrouve dans un instant juste après ceci. NutriCast, la suite de cette émission que vous écoutez également, je vous le rappelle, sur Nutri Radio et disponible aussi donc en podcast sur toutes les plateformes de streaming audio. Nous sommes avec Virginie Barieux, directrice des relations médicales et conception du laboratoire Nutergia, et Karine Tournier, la responsable marketing du laboratoire Nutergia. On parle aujourd'hui du microbiote urogénital. Alors, on a vu avec vous l'importance du microbiote. Et quand on parle du microbiote, c'est vrai qu'on entend surtout, qu'on l'associe surtout au microbiote intestinal. Est-ce qu'il y a un lien entre ces flores? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a raison d'ailleurs de l'associer au microbiote intestinal parce que il y a un lien entre le microbiote vaginal, urinaire et intestinal. On peut dire que la flore intestinale, donc le microbiote intestinal, est le réservoir pour le microbiote urogénital. Il y a une forte ressemblance, une forte homologie, puisqu'il y a une migration de la flore intestinale vers la flore urogénitale. Du coup, par déduction, on comprend bien qu'en fait, il faut vraiment rééquilibrer le microbiote intestinal et c'est pour ça que des prises par voie orale, soit alimentaire ou via des supplémentations de lactobacilles vont permettre à la fois de coloniser la muqueuse intestinale, d'équilibrer le microbiote intestinal et pour ensuite rétablir un microbiote vaginal et urinaire sain. Bien, alors vous êtes intéressé à 6 souches en particulier pour le confort intime de la femme. Est-ce que vous pouvez nous les décrire et nous dire pourquoi 6 souches, pourquoi ces 6 souches en particulier? Voilà, oui, c'est intéressant de voir un petit peu ben, finalement comment on conçoit un
produit, qu'est-ce qu'on regarde. Alors chez Nutergia, en fait, on va d'abord regarder ce qui se passe au niveau de la physiologie, de quoi est composée une flore saine. Et en même temps, on va étudier de nombreuses études. Il y a une revue bibliographique poussée pour déterminer les souches les plus intéressantes. Et ceci pour répondre aux besoins de la femme, du coup, dans ce cas-là, à toute période de sa vie, que ce soit la puberté, l'âge adulte, le désir de grossesse, ménopause, etc. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que déjà 90% de la flore urogénitale chez la femme est composée de lactobacilles. C'est ce qu'on appelait avant la flore de Doderlin. Et en particulier, il y a deux lactobacilles majoritaires, que sont les lactobacilles crispatus et gasseri. Alors, le lactobacille crispatus a forcément été retenu puisqu'il va permettre la production d'acide lactique et créer ce fameux cercle vertueux avec favoriser en même temps le développement des lactobacilles qui ont un rôle protecteur et en même temps qui vont contribuer à un confort intime. Pour le lactobacillus gasseri, des études ont montré qu'il y avait une diminution des pathogènes impliqués dans les infections urinaires et vaginales. Et c'est d'autant plus important quand on voit les chiffres qui disent que 90% des femmes vont présenter une infection vaginale au cours de leur vie et 50% des femmes qui ont présenté une mycose vont faire une récidive, soit une sur deux. Donc le gasseri aura tout son intérêt dans ce cas-là. Une troisième souche nous a paru évidente, c'est l'acidophilus qui va avoir un rôle clé dans l'équilibre du pH, avoir un pH suffisamment acide. Hein. Le pH au niveau vaginal, par exemple, est entre 3,5 et 4,5 lorsque la flore est saine. La quatrième souche, c'est le rhamnosus, puisqu'il a un intérêt dans la dégradation des biofilms bactériens. Donc c'est un rôle protecteur très fort, et notamment au niveau de toute la sphère urinaire. Voilà, et pour information, en même temps les femmes le savent, c'est qu'une femme sur deux au cours de sa vie va présenter en fait une problématique urinaire, et liée notamment à une dysbiose momentanée. Ce qu'il faut savoir, je voyais pas mal d'infections urinaires lorsque j'étais en officine. Et c'est vrai qu'il y a, quand on fait le dénombrement, on voit qu'il y a une multiplication de l'Escherichia coli. En fait, il faut savoir que cet Escherichia coli fait partie de la flore naturelle du côlon et que lorsqu'il a un excès, il va pouvoir remonter jusqu'à la vessie et se multiplier. Donc on retrouve là aussi le lien entre tous les microbiotes et l'intérêt donc de rééquilibrer. Dernier lactobacille, c'est le fermentum, qui va permettre la prolifération des candidats qui sont impliqués dans les problèmes de mycose, qui sont très fréquents chez la femme enceinte. Il y aura un intérêt du fermentum également pendant l'allaitement pour apporter un meilleur confort, puisqu'il y a un lien aussi au niveau de la flore avec la flore microbiote mammaire. On découvre qu'il y a des microbiotes partout, là on n'en parle pas forcément aujourd'hui, mais aussi il y a un microbiote pulmonaire, etc. Et le point de départ, c'est toujours au niveau intestinal. Et donc cet équilibre au niveau mammaire est important, d'autant plus que pendant l'allaitement, des personnes ont un tiers des femmes, jusqu'à un tiers des femmes peuvent avoir des problématiques d'inflammation et ce qu'on appelle des mastites. Voilà, donc l'apport d'un microbiote peut favoriser un meilleur équilibre et limiter ces problématiques. Pour terminer, on a souhaité mettre un bifidobactérium, bifidum. Alors pourquoi ça peut nous surprendre un peu? On a parlé que de lactobacilles jusqu'à présent, mais il faut savoir que ce bifidum fait partie de la flore dominante du nourrisson. Et comme en fait là on souhaitait proposer un produit qui accompagne la femme tout au long de sa vie, voilà, cette souche a été rajoutée puisque les études montrent que le microbiote de la mère est la principale source de souches transmises au nourrisson et que la colonisation du lait maternel à partir du microbiote se fait à partir du microbiote intestinal de la maman. Donc voilà, il fallait veiller à un bon équilibre et favoriser un développement d'un microbiote sain chez le bébé à venir ou à l'été. Voilà, 6 souches mises à l'honneur pour des raisons très précises que vous venez de nous évoquer ce microbiote urogénital. Alors, on a vu que les femmes sont très exposées quand même. On va marquer une toute petite pause et on va se retrouver avec vous pour la suite de cette émission.
La suite de cette émission NutriCast que vous écoutez sur Nutri Radio, dédiée aujourd'hui au microbiote urogénital. Nous sommes toujours avec Virginie Barieux, directrice relations médicales et conception du laboratoire Nutergia. Bravo pour cet exercice d'énumération de ces souches, hein. C'était pas facile. Et Karine Tournier, la responsable marketing du laboratoire Nutergia. Alors on l'a vu, les Lactobacillus crispatus, les Lactobacillus gasseri, Lactobacillus acidophilus, les Lactobacillus rhamnosus, le fermentum, et enfin vous nous avez expliqué de l'intérêt aussi du bifidobacterium bifidum. Donc ça c'est pour l'intérêt hein, de ce microbiote urogénital. Six souches que vous avez réunies donc dans une formule, Karine. Oui, tout à fait. Ces six souches sont réunies dans le produit Ergiphilus intima, qui se compose également de vitamine B2, qui participe au maintien aussi des muqueuses saines. Et donc avec ce produit, donc qui est sous forme de gélule, on a vraiment une réponse intéressante pour la santé du microbiote urogénital féminin. Donc on a 16 milliards de bactéries pour deux gélules, donc on a vraiment un bon dosage qui permet une utilisation physiologique. 16 milliards de bactéries pour deux gélules, donc de ce produit Ergiphilus intima. Pourquoi la voie orale? Alors la voie orale, en fait, comme vous l'a expliqué Virginie tout à l'heure, le microbiote intestinal et le microbiote vaginal et urogénital sont particulièrement liés, et le microbiote intestinal va être le réservoir justement des souches pour le microbiote vaginal, d'où l'intérêt d'une prise par voie orale de ce type de produit. Voilà, donc c'est vraiment l'interaction entre ces différents microbiotes qui va permettre vraiment une efficacité. Karine, on peut se demander comment on juge la qualité d'un probiotique. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées, mais comment on juge la qualité d'un bon probiotique? Comment on peut le choisir? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix sur le marché. Ce qu'il faut avant tout regarder, c'est les souches, le nom des souches, la qualité des souches qui sont présentes, la variété aussi, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, chaque souche a ses spécificités, et c'est vraiment la synergie entre elles qui va être vraiment intéressante. Bien sûr, la qualité, l'innocuité, la traçabilité, donc on peut le voir grâce aux numéros de souches qui sont indiqués sur l'étiquette des produits. Le mode de conservation, on fait aussi le fait de conserver le produit au frais est un gage aussi de qualité, de naturalité. Comme on l'a vu également chez Nutergia, on utilise de la bibliographie scientifique pour faire la sélection de ces souches. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'elles restent vivantes dans le produit et qu'elles aient une capacité de revivification. D'accord, la qualité de la synergie, et on l'a vu là pour le coup avec cette sélection hein, des six souches, qu'elles soient vivantes et qu'elles aient une capacité de revivification. Alors dans quel cas peut-on utiliser cette synergie dont vous venez de nous parler, synergie de souches revivifiables pour le microbiote urogénital, Karine? Pour cette synergie que l'on retrouve dans Ergiphilus intima, on va pouvoir l'utiliser dans les différentes périodes de la vie des femmes, donc que ce soit autour de la périconception, de la grossesse, pendant l'allaitement, aussi pendant les cycles menstruels, pour avoir vraiment un confort urinaire et vaginal pendant la vie d'adulte. Et on l'a vu aussi, le microbiote urogénital se fragilise aussi à la période de la ménopause. Donc vraiment, ça peut être utilisé à toutes les périodes de la vie en fonction des besoins des femmes. Voilà, tout à fait. Et ce qui est juste à rajouter, c'est que c'est intéressant, en fait, cette supplémentation également pour accompagner la prescription d'antibiotiques et d'antifongiques pour maintenir une flore saine et donc avoir cet effet barrière protecteur. Bien. Et alors, pour terminer, un petit conseil peut-être pour chouchouter sa flore cet été? Cet été, effectivement, ce qui est important pour garder un microbiote vraiment en équilibre, c'est aussi l'alimentation. Les fruits, les légumes qui sont sources de fibres alimentaires, qui vont faire intervenir du coup des bactéries pour leur digestion. Donc il faut vraiment, c'est intéressant de favoriser les différents fruits et légumes de toute variété pour leur effet justement prébiotique.
Également, on pourra s'intéresser aux aliments qui sont riches en ferments lactiques, que l'on trouve naturellement dans les yaourts non pasteurisés, les fermentés, le kéfir. Ça, c'est d'un point de vue, on va dire, alimentation. Et après, également, il faut penser à boire beaucoup, de s'hydrater, notamment cet été, a priori, il va faire chaud. Et aussi privilégier sur les vêtements, mais plutôt des vêtements en coton, hein, pour une meilleure, pour être mieux et pas trop serré. Voilà, ça va permettre d'être vraiment au top. Voilà, exactement. En fait, on a compris que c'est multifactoriel, hein, qu'il ne faut pas laisser le moindre hasard, il faut s'occuper de chaque détail. On l'a vu, là, en tous les cas, pour ce microbiote urogénital, l'importance, moi, c'est ce que je retiens, l'importance des synergies, la synergie des souches. Vous en avez retenu donc 6, vous avez bien décrit tout cela, et on comprend un petit peu mieux maintenant pourquoi, lorsqu'on prend un probiotique, par exemple, c'est 6 souches que l'on peut retrouver dans votre produit. Redonnez-moi le nom du produit, parce que je l'ai pas bien retenu, j'ai pas fait mes devoirs. Alors c'est Ergiphyllus intima, donc ce sont des gélules, donc c'est tout simple, hein, c'est 2 gélules par jour pendant un mois d'une façon générale, et en cas de gêne, on peut prendre 4 gélules dans la journée, et en accompagnement notamment, comme on l'a vu tout à l'heure, s'il y a un traitement d'antibiotiques ou d'antifongiques qui est prescrit, voilà, ça pourrait être intéressant sur ce conseil d'utilisation. Vous voyez quand même toutes ces souches qui existent, on a donc une synergie là, expliquée, détaillée. Moi, vous n'allez pas dire que vous ne saviez pas. Et pour donc ce microbiote urogénital, et vous avez parlé tout à l'heure du microbiote, il y en a plein partout, vous l'avez dit, hein, Virginie, on pourrait refaire une émission d'ailleurs à ce sujet, parce que c'est quelque chose de fascinant. Merci beaucoup donc, hein, Virginie Barieux, directrice relations médicales et conception de laboratoire Nutergia, et Karine Tournier, responsable marketing. On vous remercie. Je vous rappelle que c'est une émission que vous pouvez écouter et réécouter sur nutricast.fr, sur nutriradio.fr, dans la partie podcast, et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, mesdames. Au revoir. Merci, au revoir.